Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude après le massacre de plus de 130 personnes dans un village du centre du Mali. Les victimes sont villageois de Okosegou, une tribu nomade Fulani. Les responsables locaux disent que les survivants accusent la milice d'Ogun d'avoir mené cette attaque brutale au petit matin samedi. Et la mission de l'ONU au Mali apporte un soutien aérien pour empêcher de nouvelles attaques et a aidé à évacuer les blessés. Le chef de l'ONU demande au gouvernement du Mali d'enquêter sur l'affaire. Et les attaques locales sont souvent le résultat de litiges concernant l'accès à la terre et à l'eau, mais la zone est aussi en proie à l'influence djihadiste.